Et salutations à tous, le votre fuseau horaire. J'ai arrêté la VOD de façon abrupte, tout simplement parce que je galère sur le premier tuto. Incroyable, voilà, let's go. Le tuto du boss, quoi. Voilà, ça c'est esquivé. Voilà. Voilà. Je comprends pas le timing en fait, je comprends pas si c'est quand il brille qu'il faut que je... J'esquive ou si c'est après. Oui, ça j'ai compris, c'est gentil. Genre les esquives ont l'air un peu floues quand même. Putain mais je suis naze. Mais quoi? Ok, non, non le jeu, non. non. Le jeu, j'ai appuyé sur le bouton, le jeu. J'ai appuyé comme ça. J'ai appuyé. En fait, je peux garder appuyé en plus. Je pense que je vais garder appuyé. Hein. Ça va être plus simple. Non, parce que j'ai appuyé. J'ai pas d'accord. Je suis totalement pas d'accord. Allez, ta gueule, toi. Vas-y, viens. Esquive. Et je t'épargne. Mais ferme-la. Dans la tête. Dans la tête, dans la tête, et... J'ai plus de flèches, c'est ça? Vas-y, viens. Voilà. Ta gueule. Oh, les esquives sont tellement approximatifs. C'est un truc de dingue. Vas-y, viens. Hop. Dans le nez. Dans le nez. Ok, non mais ça marche pas. Ok d'accord, c'est vraiment juste faut que j'appuie au bon moment quoi. Ah voilà. M'énerve. Incroyable, enfin. Ah, ce tuto. Tuto moisi. C'est moi qui suis moisi, pas le tuto, mais bon. Ah la hache à papa. Tu aurais dû la garder en main jusqu'à ta mort. Si je t'offre ma... Il y a eu un son. Épargne mon clan. Non. Non, Varine. Non, Varine. Prends ta... Tuez-les tous! Oh, c'est trop bien! Oh, l'éclairage et tout! Faux! Pas faux, mais fou! Ah, ça, c'est Fenrir! Fenrir, dieu des loups! Viens, je te bute! Viens, je te bute! J'ai aucune idée de si je dois te tuer ou pas, mais viens! Oh l'immersion. Oh le lag. Oh le lag sur le live. Ça va, on est pas pire, on est à 58 images secondes. Je m'attendais à Galerie Plus. On est dans le Valhalla. Autant sorceler, libère-nous. Ah. Oui, bien sûr. Au combat, ami des loups. Même si tu semblais loin d'ici. Écoutez, si
Vous respirez, vous pouvez vous battre. Alors reprenons notre navire. Tu n'auras pas à nous le dire deux fois. Ouvrir le menu de l'inventaire. Oh. Nouvelle armure. Nouvelle capuche. Un nouveau ça. Nouveau soulier. Hache de varin. Oui, non, par contre, la hache de varin, je vais la mettre ici. Frère. Bang. Oh, ça veut dire que je peux combattre à deux haches. Oh, mais oui. Oh, mais la boule. Oh là là, le bourrin, quoi. Yes. Rejoindre son navire. Allez, c'est parti. Allez. Oh là là. Mais oui, mais bien sûr. Aïe. Ah oui, ça pique. Oh, ça picote. Oh là là, le pari. Putain, viens, 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 viens. J'avais mis là. Hop. Allez, un autre. Et bim! Oh là 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 là, mais cette violence! Aïe! Je me suis mangé un quart de patate là. Voilà, bouffe! Et bouffe aussi! C'est toi mon Gino, viens là, viens voir. Non mais j'ai appuyé sur bloquer! Pas dans l'enchère! Ici. Attention à ces ripostes. Ok, j'ai appuyé, ça a juste pas marché. Yes. Allez, on de bolos, hein. Je m'attendais pour pratiquer mon esquive, mais finalement, bolos, puis c'est tout. Hein. Bim! J'ai plus de ration. Salut toi, comment ça va? Bim! Aïe! Non, on ne meurt pas. Interdit de mourir. Et les copains, allez-y, j'oublie les copains parce que j'ai besoin d'une petite ratio. je vais me soigner, hein. Je serai pas là. En plein combat, tu sais. Je serai pas là, je reviens, je vais juste me soigner un petit peu, là, ici, comme ça. Voilà. Aïe, j'ai mangé une flèche. Voilà, là, je me suis soigné un petit peu. Voilà, toi, tu m'envoies des flèches, meurs. Voilà, toi aussi, viens ici. Viens ici. Viens ici, dit. Voilà. Viens là, quand même. Bonjour. Comment ça va bien? Bim. Ici, qu'est-ce qui se passe? Ah.
Ah, t'es tapé à côté. Viens là. Viens là, j'ai dit. Hop là, les attaques puissantes spéciales et légères infructueuses consomment de l'endurance. J'ai cru que tu étais un ennemi. Oh là, le petit refill d'armes. Ça là-dedans, il y a quoi ça? Il y a du loot là-dedans. Il y a du loot? C'est du loot. Je veux du loot. Donnez-moi du loot. Donnez-moi du loot. Nous loot. Ça va, ils s'en occupent tout seuls comme des grands. Hein. Capuchier. Allez, allons. Le mec qui monte en haut de la barre. Ouh là là, le lag. Je m'excuse. Hein. Et cessez de suivre la côte. Par contre, il y avait caméra. Comment on fait? Non. Nous n'avons eu aucune perte au combat. Et ceux qui nous ont humiliés sont morts. Qui aurait-il à dire? Ah, quelque chose comme... J'ai été idiot, égoïste, inconscient, entêté. Et je fous le sang et le fumier. Je préfère ma version. Et la caméra cinéma. Ta 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 ta. Des hommes de Kyotve. Ils grappillent toutes les terres inoccupées comme des poulets piquant le sol. Même avec toi un pied dans la tombe, nous pourrions les battre. Affalez la voile. Il est possible d'attaquer le petit camp. Oh, bien évidemment, on va attaquer le petit camp. Oh ouais! Oh la hype! Allez, bonjour! Comment allez-vous? Ah oui, non mais là oui! Ah mais oui, mais bien sûr! Et bim! Bonne nuit! Aïe! J'ai pas vu le coup venir. Et bim! Bonne nuit! Oh, j'ai failli t'avoir dans la tête. Incroyable. Bref. Et boum. Oh mais quelle violence. Oh c'est terrible. Bonjour. Comment vas-tu? Terminé. Tu vas bien? Je suis désolé hein. Allez ouais. Oh là là, les grands coups de patte frérot. Et tout ça pour venir récupérer ceci! Mordeuse d'os! Bien évidemment! Une arme! Ils sont où les deux salauds qui restent là? Là-bas! Oh ça lag! Ouh ça lag! Bonjour! Bonjour le jeu! Que se passe-t-il? Ah oui, non, je sais pas ce qui lui arrive le jeu, mais... Oh là là, les gars, bah, encodage en surcharge. L'encodage qui meurt.
Ça ici, c'est les trucs lootables, non. Par contre, ça ici, c'est quoi? De l'obsidienne. Et bah visiblement. Ah ouais, j'ai eu un de ces lags là, incroyable, je m'excuse. Je m'excuse, pas que si je pourrais faire quelque chose. On a buté tout le monde, c'est ça? On a buté tout le monde. J'aime bien parce que pour... là, tu vois, il y a un côté viking contre viking, tu vois. Et ça, c'est cool. C'est pas juste genre viking contre... contre templier, genre gentil méchant, puis c'est tout, quoi. Prendre le commandement. Oh là là, la classe. Attends, mais là... Y, rejoins l'objectif. Et voilà. Et là, hop, on reprend la petite caméra. Pour la petite promenade sympathique. C'est génial. J'aime bien le jeu. Yod-V nous traquera maintenant, de manière encore plus impitoyable qu'avant. Ce n'est pas une grande surprise. Cette guerre dure depuis 3 générations. Trop bien. Je ne m'attends pas à ce qu'il abandonne. Beaucoup trop bien. Te consume tellement qu'on pourrait s'y réchauffer les fesses. Tu ne préfères pas des braies en peau de phoque? Waouh. Ce genre de haine peut pousser à l'erreur. Ce qu'il a fait à ton père, Eivor, il nous l'a fait à tous. Ce combat n'est pas seulement le tien. Et oui. Oh mais la classe. La classouille. Ça lag pas trop. J'ai pas trop de perte de frame. J'ai genre un 0.1%. Hein, fait que des petits lags. Mais bon, globalement, ça passe. C'est beaucoup trop bien. Hein. Te reprochera d'avoir fait fi de ses souhaits. Je m'y attends, oui. Et ce n'est pas quelque chose qui t'inquiète? La seule chose qui m'inquiète, c'est que le roi comprenne trop tard que j'ai raison. Et Sigurd, qu'est-ce qu'il va dire? S'il était là, Sigurd serait assis à côté de toi, à essuyer le sang de sa hache et à sourire au baiser du vent. Ah. J'aime la violence qu'il y a dans les mots quand même. Et que comptes-tu dire au roi au sujet de cette mésaventure? Toute la vérité. Nous avons attaqué la forteresse de Kyotve, tué ses hommes et affaibli son emprise sur la contrée. Vas-tu mentionner que tu as perdu ton équipage et failli être vendu comme esclave? Un bien joli passage pour ta saga. Bien Skald, cesse de chanter cette histoire, il ne chantera plus grand chose après. Skald. Tiens, j'ai le feeling Skyrim, mais en plus réel, quoi. Allez, on s'arrête. Oh là là, cet amarrage... Ah oui, non mais c'est une voiture le truc. C'est mieux qu'une voiture le truc. Incroyable. Eh bien, celui qui nous pensions t'avoir perdu, Eivor. Pour de bon, cette Randby. Ton accueil est toujours aussi chaleureux, Randby. Tu ressembles à un vieux morceau de viande. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas grand-chose à dire. Sinon que ceux qui nous ont retardés sont morts. Et de ton côté? Tout va bien. Même si j'ai passé de mornes journées à calmer les accès de rage du roi, il est mécontent de toi. Je m'y attendais. Et Sigurd, est-ce qu'il est revenu de la campagne? Mon mari aurait dû être de retour aujourd'hui. Aux dernières nouvelles, il approchait de Stavanger. Heureux de l'entendre. Ah. Son courage nous sera utile. Sigurd ne te protégera pas de la colère de son père, Eivor. Tu devrais commencer à le savoir. Ton attaque ne s'est pas passée comme prévu? Rien ne se passe jamais comme prévu. Mais nous avons tué de nombreux guerriers de Kyotve. Et j'ai trouvé la hache de mon père parmi les morts. Ah. Après toutes ces années, tu devrais la porter à Gunnar. Il rendra à Salam son tranchant. Bonne idée. Après être allé voir le roi. Ah, ça, je te le déconseille. Il reçoit en ce moment un messager venu du nord. Je peux attendre. Non.
semble préoccupé. Quelque chose ne va pas ? Retrouver l'âge de mon père 17 ans après, cela a réveillé quelque chose en moi. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis le jour de sa mort. Lorsqu'on m'a donné ceci. Des souvenirs de souffrances passées, tristesse et douleur. Je devrais aller parler à Valka. Elle pourrait m'aider à mettre de l'ordre dans mes sentiments. Prends le temps qu'il te faudra. Nous nous reverrons à la Maison Longue. On dirait que tu as perdu ton tranchant, Eivor. Comme cette hache. Gunnar pourra peut-être arranger ça. Je te tiendrai au courant. Oh, c'est bon, j'ai compris qu'il fallait que j'aille voir le forgeron pour faire le tuto. On dirait. Content de te revoir. Eivor, Eivor. T'as rapporté des trésors ? J'ai rapporté le navire et l'équipage au complet. C'est mieux que de l'argent. Ça ne compte pas, ça. Il te faut de l'argent. Mais allez vous faire foutre. Mono des compétences. Les nœuds de stats améliorent les statistiques élémentaires. Les compétences principales débloquent des coups ou mouvements de combat. C'est tout petit. Est-ce qu'on peut avoir ça plus gros, s'il vous plaît? C'est très bien, l'ami. C'est très bien, la. C'est très bien. C'est très très bien. Non, mais non, mais faites pas ça pour tout le. Mais non. C'est long et chiant, ça. Pourquoi ça me fait des petites danses? Je m'en fous. Incroyable. Incroyable. Non mais laisse-nous tranquille, laisse-moi jouer le jeu. Voilà, merci, destin. Ça c'est quoi ça? Pillage de flèches, instinct de survie, buste incomestible, irrésistible. Au combat, le sprint des vents ne peut pas être arrêté. Pointe de puissance. Ça, ici, il y a trois branches. Ça, c'est les trois branches classiques. Discrétion, dégâts au corps à corps et à distance. Bien évidemment, nous, on va essayer d'aller chercher du côté voie du corbeau. Bonus à tous les équipements alignés sur le grand corbeau. Combat critique, blocage, armure et trucs. Hop, dans le dos, évitement. Dégâts d'attaque légère, corps à corps. Là, je vais faire un double D2 là. Résistance au corps à corps, dégâts d'aptitude. Je vais prendre un petit peu des deux. Ça ici, c'est quoi? C'est à distance. La distance m'encarre complètement. Et ça ici, qu'est-ce que ça nous offre? Port d'assassin. Maintenez RB pour porter automatiquement un cadavre, d'accord. Archerie montée. Bon, ça va. Glissade d'assassin. Maintenez B en sprintant pour heurter ses ennemis en glissant et les déséquilibrer. Ça peut être intéressant. Doigt léger. D'accord. Butin de corbeau. Votre corbeau récupère du butin sur les cibles tuées lors d'une attaque à distance. Ça, j'aime bien. Hop. Et il y avait un truc ici. Je pense que le butin comestible, ça peut être bien pour recharger de sa vie, là. Et voilà, voie du corbeau. Badingue. Au niveau inventaire, voilà, j'ai une nouvelle hache. Donc là, j'ai la hache de pillard, mais j'ai elle. Doit être tenue par la main principale. 47, 48. RT. Monteur d'os et hache à 69, truc. Ah, c'est deux mains. C'est à deux mains. Je veux pas de truc à deux mains. Je refuse. Alors attendez. Il y a un truc de voûte. Quête. Parler à Gunnar le forgeron. Joindre la hutte de Valka. Il est où le forgeron? Là-bas. Salut! Ami des loups, content de te revoir. Gunnar. Content de te revoir. J'ai ici quelque chose qui devrait te ravir. Gunnar. Oh, ça lag encore. It is lagging again. C'est la hache de ton père.
Je n'ai rien vu d'aussi beau depuis... Eh bien, longtemps. J'ai forgé cette arme il y a des lustres. Elle est encore belle. Ah ouais, c'est compliqué là, la cinoche. Je sais pas si ça faisait ça depuis le début. L'équilibre est encore bon. Genre là, vous laguez, ça lag de fou. Genre même moi, je lag tellement. Ah ouais, vous êtes à 39 FPS. Peut-être même moi, je suis genre à 30 FPS, ça n'a aucun sens. Les Nornir l'avaient tissé, n'est-ce pas? Mais à l'avenir, apporte des lingots de métal. Pour forger, il me faut de la matière. Très bien. Amélioration d'équipement, j'ai compris. Bim! Voilà. Je pourrais l'augmenter x2, non? Non, je peux pas, j'ai pas ce qu'il faut. Très bien. Ça devrait faire l'affaire. Voyons ce que tu proposes. Ah, je pourrais augmenter mon... Un nouvel emplacement de rune. Tu as besoin d'autre chose? C'est bon, ça va. Comment vas-tu? Et comment te portes-tu, Gunnar? Tout va bien? Je ne manque pas de travail et le moral est bon. Mais mes nuits sont froides. J'ignore si tu le sais. Ma compagne est partie. Je l'ai su. Ah, désolé pour mes nuits sont froides. Tu es ensemble depuis longtemps? Ah, 5 semaines. Cinq semaines pleine de passion. Valkyrie parcourt mais moins c'est le incroyable. Monde que toi, Gunnar. Revois tes ambitions à la baisse. À la baisse? Hey, c'est quoi ce truc de drague à la cour? Mais c'est incroyable. Reviens quand tu... Allez, disparaît. Ah ouais, le dialogue là, il a mis en PLS l'ordi. Quête. Eivor rentre affronter la fureur d'un père adoptif. Parler à Randvi. Ok, non, je vais aller voir Valka. Elle est où Valka? 530 mètres, mais elle est loin. Attends. Visiblement, là, j'ai pouvoir de rune ou je sais pas quoi. Sac. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une rune. Incroyable. Très bien. Ça ici. Y, rune. Yes. Voilà, nouvelle rune. Ok, je understand. Ça, pourquoi c'est parce que j'ai pas tout regardé, c'est ça? Veut se réjouir d'un récit parlant cette des dieux. Cette contrée ne pourra prospérer tant que les équipements améliorés peuvent recevoir des runes. On trouve des runes dans le truc menu inventaire. Jeune, les personne n'a envie de se mesurer à moi. Appeler la monture. Ah, on a déjà une monture, très bien. Identité. Utiliser la corne, torche, cap, appeler la monture. Très bien. Accéder à des actions et des outils spécifiques. Ah, pour l'instant, je m'amuse quand même bien. Je m'amuse quand même bien. Tu vois, là, on est retourné à 60 FPS. La vie est belle. Finaise, mais pourquoi elle habite en haut de la terre là-bas, elle? Sérieusement? C'est parce que vous êtes une personne, comment on dit? Une sage ou je sais pas quoi là, que vous vous sentez obligé d'habiter en haut de la montagne? C'est incroyable ça! Non mais, sérieusement. Oh là là, j'ai cru que j'allais tomber. Hein. J'ai clairement cru que j'allais faire un joyeux saut dans le vide. Nez qui gratte! Nez qui gratte, bonjour! Calme-toi. Mais calme-toi, Eivor. Allez, drop. Ça a marché ou pas? On sait que ça marche. Ah non, c'était du loot. C'est du loot normal.
Ah ! La monture magique est apparue. Ah, la monture magique me servira pas à grand chose. Faut déjà que je redescende. Oh mais la course! Imagine faire ça dans la vraie vie. Punaise. Après heureusement comme on a dit on a un cheval magique fait qu'on fait. Et hop il apparaît. Après j'ai de l'obsidienne mon doudou. Mais non mais je lui ai mis des taquets à mon cheval. Mais il est con aussi à courir à côté de moi. Idiot de cheval bah. Faut que je descende. Mais elle est où? C'est où cette quête? Ici j'ai un mystère, le réconfort d'une Volva. Oh là là, non mais par contre... Mais ce visuel... Mais cette musique... Mais cette hype... Les loups. Mais non mais pas toi, mais casse-toi le cheval. C'est bien ça. Où ça d'autre? Ici. Et hop. Oula. Il a un petit peu jitter dans le décor. Bien sûr. Voilà, le petit minerai. Et hop. On va se prendre ce petit bout là. Hein. Synchronisons, bien évidemment, comme d'habitude. Là, la question c'est je saute où? Pardon. Excusez-moi. C'est là qu'on saute? Clairement pas par là. C'est comme ça qu'on saute? Moi faut que j'aille là-bas. J'ai envie de sauvegarder. Comment on sauvegarde? Menu. Sauvegarder. Créer une nouvelle sauvegarde. Merci. Merci le jeu. Et c'est parti! Ah! Ah quelle mauvaise idée! Et hop, à dos de canafon. Si, il y a une coupe de loups là, j'ai pas envie de me battre contre les loups. Ah, ici, visiblement, il y a un lieu de mystère. Pendant son tour de garde, cela explique certaines choses. Eivind, réveille-toi ou tu seras banni. Franchement. Tout long. Restez éveillé. Ils peuvent être n'importe où. Yes. Marche dans son sommeil. C'est tout? Ils sont partout. Si on meurt... Tout le monde meurt. Ouais. Cool. Je te suis ou je peux me barrer? Ne pas s'endormir. Les voir venir.
Pas sûr de comprendre là. Eivind, bonjour. Réveille-toi, tu approches du bord. Je vais te mettre un taquet, hein. Je vais te mettre un taquet. Il ne va quand même pas passer par là. D'accord. Ça l'a visiblement réveillé, mais moi j'ai pas envie d'aller de l'autre bout parce que là, moi ça m'éloigne de ma quête principale, mon Moses. Ah oui, non, moi je vais aller faire ma quête, hein, désolé. Vis ta vie si tu veux. Ah, sacré quête! Cheval en PLS. Voilà, calme-toi le cheval, calme-toi. Bonjour. Comment allez-vous? Amuram. Valka. Chut. J'ai besoin de silence pour entendre les chants de la nature. Amuram. On rentre pas chez les gens comme ça, hein, franchement. Amuram. Pourquoi je suis devenu blond? Elle offre des louanges et elle est accueillie. Pour votre oui, je tends l'oreille, ô ancien. Grand Odin, grande Freya, je vous remercie de votre don de Seidre. Elle rend grâce et elle est bénie. Seidre. Eivor, cela faisait un moment. Qu'est-ce qui t'amène auprès de moi? J'aimerais un conseil à propos d'une affaire privée. Ah, petit clip! Petit. Pop, 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 pop. Comment se porte ta mère? Elle a les idées embrumées. Elle parle aux esprits. Je crains qu'elle n'en ait plus pour longtemps. Mais je suis là pour elle. Maintenant, passons à ton affaire. J'ai eu... Ça doit être chiant de porter un truc que c'est, ce genre de collier, la foule... C'était peut-être large, la rage du combat ou un délire dû à la morsure du froid, mais... Décris-moi cette vision. Après 17 ans, j'ai retrouvé la hache de mon père. La hache de mon père. Et ils sont cool les sinoches. Ah ça... Ah j'aime quand ça bug comme ça. Féroce, qui hurlait. Et soudain, une silhouette, une barbe grise sous une cape et un œil unique. Il m'a dit de le suivre. Ah, le Très-Haut. Il t'appelle. Peut-être a-t-il l'intention de te parler. De te livrer un message. Seul le Seidre permettra d'y voir plus clair. Et de démêler les fils qui entravent ton esprit. Ce ne sera pas le... Et là, si j'essaye de... Ah, voilà. Là, je peux disparaître. Que prépares-tu? Parle à personne. Quoi qu'il arrive, quoi que je vois, quoi que tu prédises, cela doit rester entre nous. Nous ne pouvons pas changer le sort qui nous est destiné. Qu'importe qui le sait ou l'ignore, cela ne change rien à l'issue. Mais ça on sait. C'est-à-dire que ça change pas l'issue, je m'en fous. Ce que ça change, c'est les autres autour. Si tu Comment est-ce qu'ils vont vivre? Compréhension. Et la petite rasade de... Ah oui, efficace. Ah oui, efficace, hein. C'est pas des trucs de Tarlouze, hein. Boum. Direct. Ah, encore monsieur avec son... Viens là, toi. Hein? Je n'ai rien vu, Valka. Viens là. Rien ressenti. Très sage. Très sage. Suis-je en train de marcher parmi les morts? Sigurd, mon frère,
Quand es-tu arrivé? Et il s'en va. J'aime bien la petite phase comme ça. C'est nice. En vrai. En vrai, c'est bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Creepy. Creepix, creepix. Allez, allons là, vite. Hop. Le mec est à moitié sous avec le... Oh! Un loup! Oh, du sang! Oh! Du sang! Oh là là, la porte du Valhalla! Bon Dieu, incroyable! Sigurd! Mon frère! Que fais-tu? Il n'y avait pas d'autre moyen, Adi. Notre sort est tracé. Oui, il a coupé son bras. Sigurd! Ah oui, attention, attention, ça va être violent. Ah oui, oula, ah bonjour. Ah bonjour, peut-être un peu plus de 18 hein, le jeu, hein. J'ai pas pensé, mais c'est ça. Un petit peu adulte quand même. Hein. Ce n'était pas pour toi, Adi. Avi, pourquoi tu m'appelles Avi? Ah, le loup Fenrir! Ah, oh, j'aime la mythologie nordique. Du calme, c'est Valka. Je suis là. Par les dieux, j'ai cru que... Qu'est-ce qui s'est passé? Allons, raconte-moi tout. Allez. J'étais sur une montagne, par une tempête de neige. Je grimpais vers le sommet, en suivant un loup. Putain, il est Nornir était là. Non, bah non. Le loup m'a fait signe. La halle d'Odin s'est ouverte à moi. Le loup cherchait mon le attention. Le loup m'a fait signe. Comme s'il m'invitait à le suivre. Tu es l'ami des loups. Et tu porteras leur marque pour la vie. Cela peut représenter ton ambition. Ou ta peur. Ta peur. Excusez, attendez. Donc visiblement, bon, la halle d'Odin s'est ouverte. Des champions morts d'Odin. Elles se sont ouvertes pour moi. Les ombres du Valhalla, auxquelles tu es destiné. Odin et les Nornir étaient là. Et les Nornir, filant la trame du destin. Elles me regardaient. Elle ne regardait pas. Elle te montrait la voie, ta vie, ton chemin, ce qui t'attend. Ce qui t'attend. Et où cela prendra fin. Je ne sais pas quoi dire. Sigurd va crever. Mes souvenirs sont embrumés. As-tu rejoint le sommet de cette montagne? Oui. Sigurd était là-haut, blessé à l'agonie. Il lui manquait le bras avec lequel il frappe. Puis le loup a réapparu, de la taille d'un dragon, déformé et terrifiant. Il a posé son regard sur moi, et il a frappé. Puis je me suis réveillé. Les dieux te sont favorables, Eivor. Ils l'ont toujours été. Tu connaîtras la gloire, et tu auras ta place au Valhalla. Mais ces signes portent un message plus sombre. Le bras amputé, la piste de sang... La bête. La bête. Ton destin est de trahir ton frère Sigurd. Tel est le sens de ta vision. Non, c'est impossible. Je ne trahirai jamais Sigurd. Il est mon frère, ma famille. Les Nornir ont parlé. Et tel est leur message. Non, c'est faux. Ou tu as mal compris. Ce ne peut être vrai. Tu trahiras Sigurd.
Eh ben pourquoi ? Odin a combattu son destin. Tous peuvent y parvenir. Pourquoi je devrais trahir mon frère ? J'aime pas, madame. J'aime pas ce que tu me dis. Vous êtes chiante, madame. Vous êtes fatigante, madame. Hein. Là, je pourrais me téléporter, mais je vais d'abord aller voir. Je vais retourner. Plus 2 points de compétence. Ouh! Je vais retourner par ici. Ya! Ya! Excusez. Ya! C'est un loup, ça. Clairement. It was a loux. Allez, monte, là. Y'a un truc, le loup, là. Voilà, Georges, ici. Et hop là! Eivind, tu calmes, tu dormais. Non, je volais dans les airs. Dans ton je rêve. Je volais dans les airs. Le réveil a été plus bruit, mais au moins tu es en vie. Tu as toujours marché dans ton sommeil. Depuis que je suis en poste ici, dans mon lit, je m'inquiète d'une attaque. Et lorsque je suis de garde, je m'endors. C'est idiot de rester un vieux con, toi. On se lève épuisé et le problème n'est pas réglé pour autant. Tu parles avec la sagesse d'Odin, Eivor. Je repenserai à tes paroles lorsque je me coucherai. Pense-y plutôt quand tu montes la garde et dors quand tu es au lit. Et va te présenter avant qu'on te note comme déserteur. Allez. Et voilà. Événement. Le guerrier somnambule. C'est anecdotique, mais en vrai, c'est sympatoche. Très bien, moi je veux me téléporter à monde. Déplacement rapide. Il y a des copains qui m'invitent à aller jouer à Halo. Mais là, 11h36, on va continuer le petit live ici. Affaire de famille. Je vois des gens, je leur parle. Pas aujourd'hui. Le poisson ne mord pas. Il y a trop de bateaux qui passent pour ça. Je n'ai pas assez de patience pour cette pêche. Je me débrouille mieux à l'arc. Chasser le poisson à l'arc? Après tout, pourquoi pas? D'accord. Bonjour, Eivor. De se mesurer à moi. La guerre a toujours existé. Hé, hey, Tekla, qu'est-ce que tu prépares? Alvis dit que ce lot est trop fort. Tu penses pouvoir en boire quelques cornes? Ah! La guerre a toujours existé. Petit concours d'Alcul. Lorsque Midgard était jeune, les conflits déchiraient. Ok. C'est dur. Ah merde. Mais c'est super dur. Alors, petit tube. C'est super dur. Qu'est-ce que c'est que ce mini-jeu? C'est incroyable. Je vais perdre! Incroyable!
Oh, j'ai gagné. Oh, j'ai failli perdre. Oh. Yes. T'es trop bien. T'es trop bien, ok. T'es bien. Ça va ou quoi? Bon, bonjour. Et voilà, mais vu que le dialogue il est scripté. Voilà, je ne suis plus. La seule personne de Midgard dont je craigne les moqueries. C'est toi qui m'as enseigné l'art de la poésie. Il est naturel que je te surpasse bientôt. Que dirais-tu d'une autre leçon? Ah, j'ai encore un drop frame de fou. On dirait que tous les dialogues, c'est des drop frames. Essayons l'ajout de verre. Allez, c'est parti. Quelques pièces. La plupart des gens qui aiment l'ajout ont aussi un penchant pour les pnaises. Aujourd'hui, pas de mise. Et je vais passer un peu je drop à 30 frames dès qu'on est sur le... Ordonne de joindre rimes et cadences. De par tes mots, l'on en viendrait à la danse. Alors choisis bien les paroles que tu emploies. Car sous ta tutelle, mon prochain adversaire sera ma proie. Car sous ta tutelle, mon prochain adversaire sera ma proie. Non. La rime est bonne, mais trop de mots nuisent au rythme. Maintenant, quoi, nous allons passer au sens. Mais non. Savoir se montrer vif et tranchant, n'importe quoi. Être plein d'esprit et non pas bêtement méchant. Si je te dis que tu es idiot, vain et triste. Triste. Je dirais que tu n'as rien non plus d'un artiste. Je peux aussi te tuer si par là tu insistes. De par ma lame, tu mourras unijambiste. Je peux aussi te tuer si par là tu insistes. Pas mal, pas mal. La rime est là, cela sonne bien, mais j'ai évoqué ta vanité et ta bêtise, et ta réponse a justement été bêtement agressive. Il est généralement préférable de rester dans le thème. Tâche de t'en souvenir. Un dernier. Ah, c'est chaud. Et conquiert le monde de par ton esprit. D'accord, Arteur, conquérir. Rhétorique et panache n'ont pas de prix. J'ai ça n'a pas de prix. De voir en quel terme tu batailleras. Et moi j'ai hâte que mes succès te mettent. Mon audace et mes mots sauront te mettre à bas. Mon audace. J'ai... Moi j'aime bien les côtelettes de porc. Te mettre à bas. Parfait, oui. Ce genre de réplique pourrait bien m'anéantir. Il te reste beaucoup à apprendre en matière de joute verbale. Mais tu es sur, tu la, es bonne sur voie. La bonne voie. Je serai ravi. C'est trop bien ça. De nouveau, si tu veux revenir me voir. Peut-être. Mais je veux faire des joutes verbales. Merci avec tout le monde. Je veux faire des joutes verbales. Remporte des charismes, joute verbale, augmente le niveau de charisme, ce qui peut débloquer des choix de dialogue. Mais c'est trop bien en vrai. J'aime beaucoup ça. Allez, une partie de l'horloge. Ça m'intéresse. L'horloge est un... Allez, un petit jeu de dés ici. Une partie, ça te dit ? Une partie, ça te dit, mais bien évidemment. Ah, voilà. Et bien sûr, jouons. Ce que dit la chance. Comment on joue ? L'horloge est un jeu où deux personnes s'affrontent en lançant des dés et en invoquant des faveurs divines. Le vainqueur est le premier joueur à ramener la santé de son adversaire à zéro. Trois phases. En phase de lancer, le joueur lance leurs dés. Les phases des dés offrent divers... chacun des joueurs peut procéder à une offrande afin d'invoquer une faveur divine. Les faveurs divines sont de puissantes bénédictions pouvant exercer une influence majeure sur l'issue d'une manche. Et la phase de les lancer, les joueurs sont résolus en les comparant, des dégâts sont infligés ou bloqués. Face. Notre adversaire commence. Génial! Au début de chaque manche, votre adversaire et vous-même lancez des dés à tour de rôle. Vous pouvez effectuer jusqu'à 3 lancers, entre 2 lancers. Vous pouvez choisir les dés à garder et ceux à relancer. Très bien. Ah, mais c'est comme... Oh, trop bien! Vol 1 à l'adversaire, vol 1 à l'adversaire. 1 de dégâts, 1 de dégâts, bloc 1, bloc 1. Et rapport. Fait que là, lui, il a bloc 1, et il me fait 1 de dégâts. Je vais sélectionner les dés à garder. Lui, je garde.
Lui, je garde. Il a 2 blocs 1 de dégâts. Ok, fait qu'il a pas de bloc 1 de dégâts. Je vais faire ça. Je vais lui piquer 2 pièces. Je lance les dés. Ici, lui, il me fait 1 de dégâts au truc. Fait que je garde elle. Et est-ce que je garde ça bloc? Je vais les relancer, ceux-là, tant pis. Hein. Hop là. Ah! Ah, ça picote! Ah bah, c'est... Je bloque 1 dégât. Je lui fais 1 dégât et je lui pique 2. Lors de cette phase, vous pouvez choisir une faveur divine. Après choix par les deux joueurs, avant la phase de résolution. Sélectionnez une faveur divine. Frappe de Thor, dégâts infligés à l'ennemi après la phase de résolution. Allez, je vais tenter ma... Chaque rapporte un jeton. Cette manche attaque également le premier. Chaque vole un jeton à l'adversaire. L'ordre de résolution suit la règle énoncée. Ok. Un point de vie. Ah, les points de vie, c'est des petits cailloux. Pef, un point de vie. Il m'en pique un, je lui en pique 2. C'est très bien, ça. Mais c'est très très bien comme jeu. Et bim, je lui pète patarade ma faveur. Hop, moi en premier. Oh là là. Je vais garder... c'est peut-être risqué de trop garder. Tiens, je vais reprendre lui. Je vais laisser un de chaque comme ça. Hop. Ouf. Ok, il bloque mon dégât. Et il me fait un dégât. Fait que moi, je bloque son dégât. Et là, soit j'attends de relancer. Je vais attendre de relancer. Et je bloque son dégât. Lui, il me vole de quoi. Et là, je suis obligé de voler et de garder. Ah, ah, c'est bon, je bloque. Je bloque tous ses dégâts et lui... Pourquoi je peux pas changer? Parce que j'ai pas assez de pièces, c'est ça? On va pas utiliser de faveur divine. Ça bloque. Là je bloque. Fait que lui je lui ai piqué 2. Je lui ai piqué ses dégâts. Lui il m'en repique 1. Ok. Il joue, il me fait 2 dégâts. Je joue, je lui fais 3 dégâts. Badeng. Il va bloquer un de mes dégâts. Oh, si je peux bloquer son dégât. Putain, je peux pas. Tu sais quoi, je vais faire masse dégâts, frère. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai rien gardé. Je suis un crapaud. Yes. Oh, je vais m'en manger une peignée. 1, 2, 3, 4. Lui, il mange combien? 1, 2, 3, 4 aussi. Faveur. J'attends, je passe. Faut garder de la thune. Aïe aïe. Bloqué. Bloqué. Les deux ici. Les deux ici. J'ai quand même 2 points de vie d'avance. Et hop, on fait le lancer de dés. On va garder un bloc, 2 blocs, un vol. Et c'est tout. Je bloque un dégât.
Je bloque 2 dégâts. Et je me fais 2 pièces. Donc là, je mange 2 dégâts dans le front. Je lui fais 1 dégât. Ah, je lui fais 0 dégâts. Et je me fais niquer. Et je lui fais 5 dégâts. Hop, je lui ai pris, parce que là je bloque. Aïe, 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 aïe. C'est dur en vrai. Hop là, il lui reste que 2 points de vie, fait que là, je le ramasse. C'est tout ce qui se passe. Je cherche même pas à comprendre. Si j'ai de la frappe, là, c'est full frappe. Putain, j'ai pas de frappe. J'ai ça et ça. Oh, allez vous faire foutre. Incroyable. Incroyable. 0 frappe. Il me fait un point de dégâts, truc. Je lui bloque et je lui mets la max. Allez, bang. Allez, hop. Emballer, c'est pesé. T'es dead, frère. Et en plus, je te fous ça, m'en fous. Ah, lui, son truc, c'est qu'il m'enlève mon bouclier. Et là, il est mort. Et boum! Bien joué. Et c'est une victoire. Chance, c'est tout. Une autre partie. J'arrête l'ordre. Non, ça suffit, là. Ça suffit. Ok, parfait, ça. Maintenant, on va aller voir Georges, là-haut. Il y a un autre Georges en haut, ici, aussi. C'est incroyable, ce qui se passe. Bonjour. Svend. Ça sent le bras de fer, ça. Tu as de nouveaux tatouages ? Ah non, c'est un tatoueur. Un coup d'œil. Allez, hop. Laisse-moi jeter un œil. Montre-moi. Vas-y. Comme tous les dialogues, je drop à 30 FPS. Un truc de fou. Salon de tatouage et de coiffure. Roux, crâne rasé. Oh, j'aime bien ça. En noir comme ça, j'aime bien. Allez hop. Oh, la petite barbe comme ça. Oh, le plaisir. Oh, la hache dans le dos. Et le bras droit, il m'intéresse pas. C'est où? Je vois pas. Ah, c'est sur ma bouche. Oh, ça, c'est bon. Hein. Hop là! Parfait, ça. Bien. Il te faut autre chose. Mais bien sûr que non. D'accord. Au revoir, Svend. Oula. La caméra. Mais arrête de vouloir monter sur tout ce qui bouge. Incroyable. Salut toi. Hé, hey, tu peux me dire où la chasse est bonne? Je le pourrais, mais je n'ai pas envie que tous les pieds de fer fassent fuir le gibier. Apporte-moi 3 bois de serre pour prouver ta valeur. Ton défi me plaît. À très bientôt. Et attends, parce que ça... Qu'est-ce qu'il y a là dans l'inventaire? L'équipement peut être amélioré à l'aide de matériaux. D'accord. D'accord. Je pense que je vais améliorer mon carquois. Ouais, je peux pas. Bing. Elle, je veux avoir full hache, frère. Je veux avoir full amélioration sur cette hache là. Ici, j'ai des nouveaux points. Résistance au corps à corps. 2.3 de dégâts au corps à corps. Bing. Et on débloque ici
Dégâts discrets. Et ici, est-ce qu'il y avait des choses qui nous intéressaient? Glissade d'assassin, ça aurait pu être cool ça. Porte d'assassin. Butin de corbeau, non. Instinct de survie. Quoi, instinct de survie? Lorsque la santé est inférieure à 30%, maintenir en reconstitution une partie. Oh, pillage de flèche. Ça, ça peut être bien, ça, pillage de flèche. Point de puissance, on s'en quart. Ouais, putain, comestible, j'aime bien aussi. J'ai aucune idée de si je fais ça au petit, hein. Clairement pas. En fait, même, je suis pas mal sûr que je fais pas ça de manière optimale. Optimum. C'est où qu'on voit les trucs de chasse? On les voit pas? Oh, il y a plein de... Oh là là. Faut que je lui ramène des trucs à la Ginette. Bon allez. 1h06 de VOD. Ok, attendez, avant la suite. Hop. Avant de dropper. On va venir ici. Ma ration est complète. Je vais m'arrêter devant Ginette. Voilà. Et... Eh ben écoutez, salutations à tous. Merci d'avoir suivi cette petite VOD. Si vous êtes là sur YouTube, c'était Eliakim74. Nous sommes sur Assassin's Creed Valhalla. Bien évidemment, le jeu des Antilles a fait très longtemps. Mais on le fait juste là. Parce que pourquoi pas. On le fait lentement en plus. On est chill. Chillos. Bref, salutations à tous selon votre fuseau horaire. Bye, c'était Eliakim.